Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Oncastar pour continuer nos aventures. Donc je ne sais pas s'il y a... On va essayer de faire des petites choses bien sûr pour monter. Donc là aujourd'hui je vais peut-être faire des... Comment dire, des petits calices, histoire de voir. Donc là ça y est, j'ai terminé moi mon event sur les... tout ce qui va être univers simulé. Donc du coup je suis tranquille là-dessus. Je n'ai plus qu'à me focus sur... voilà, hein, comme vous voyez, 0 sur 12. J'ai plus qu'à me focus sur quelques petites choses. D'ailleurs, il va falloir que je me bouge le popotin pour faire ça sur le compte Zero Pool. Donc, on verra ce que ça va donner aujourd'hui en termes de demandes. On doit faire une affectation. On doit faire une pourpre. Emporter avec un personnage de soutien. On peut en vrai faire celui-ci. C'est la quête... la mission du jour. Je pense qu'on va plutôt faire ça et on va focus. Et j'ai combien là? J'ai 112. Donc ouais, on va faire ça plus un personnage de soutien. Je vais voir qui je vais mettre parce que je peux pas mettre non plus n'importe qui. Moi, à mon level, hein, on va pas se le cacher. Il faut que ça aille très vite. Par rapport à ça. Faut que ça aille vite, faut pas que je prenne 3 heures pour faire des malheureux calices. Donc, ouais. Ah, ok, ça va être les colis. Donc, je vais peut-être l'avoir plusieurs jours. Ok. Ouais, on change un peu. Un peu comme ça, au moins, ça fait. On sera tranquille. C'est le fameux médicament. Voilà, on est bon. Du coup, il faut que je réfléchisse. Qui dois-je prendre? Qui dois-je monter? Voilà, oui, ça reste ok. Welt, éventuellement, oui. C'est vrai que Welt, on n'a pas donné assez. Mais après, j'avoue que... Yukong, c'est intéressant aussi de la monter. Hein. Alors, je la baserai beaucoup sur de l'attaque. En tout cas, je vous conseillerais fortement l'attaque. Et après, là, on a débloqué tous les petits points déjà. Ouais, on a débloqué tous les points. Et là, j'aimerais bien aussi la monter. Asta, bah, vu que oui, voilà, on a les deux. Nilité, malgré tout, Sampo peut être intéressant. On va pas le bouder. Il faut qu'on fasse les nilités. Les éruditions, je commence à en avoir pas mal. Bon, j'avoue que. Ça peut... En fait, Kinky, elle est chiante. Parce qu'elle est... elle fait partie de... On doit utiliser plein de points de compétences pour pouvoir... Et si on l'a pas... si on l'a pas aussi, ça peut vite être un peu compliqué. Et comme on n'est pas encore prêt de l'avoir, parce que voilà, on récupère directement un point de compétence, ce qui fait que ça en fait deux, c'est un peu compliqué. Pour le moment, on vaut mieux focus sur d'autres personnages que plutôt de s'amuser à aller voir Kinky. Serval, je vais pas la monter dans l'immédiat. Par contre, Erta pourrait être cool à monter aussi. Il y a beaucoup de personnages comme ça qui pourraient être intéressants. Donc pour le moment, on va s'occuper surtout des harmonies, au moins de bien les monter. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ça nous permettrait du coup de bien nous focus comme il faut sur des personnages intéressants. Là, on a plus rien. Alors, ça, c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que, en général, on n'a pas forcément envie de taper de ouf. Hein. De ce que j'ai bien compris dans les spells. On attend plutôt. Voilà, l'attaque de Yukong. On attend plus l'attaque que plutôt d'attaquer avec. Et ça, par contre, ça va être. Plutôt pas mal.
Là, j'avoue que l'ulti, c'est la seule chose qui va faire en sorte qu'on va taper sur de l'imaginaire. Donc ça, on verra après. Là aussi, hein, vous voyez, on a bien des cumuls d'attaque 52%. Il faut toujours essayer de monter le plus possible son attaque. Et là, ça va être intéressant. En gros, j'essaierai peut-être de reprendre le stuff de Tignon et puis de mettre sur le camp. Les deux, en fait, se basent sur l'attaque. Voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, oui, on va continuer sur de l'harmonie, parce que c'est les persos que je souhaite monter dans l'immédiat et qui peuvent être très utiles dans les équipes. Donc, c'est parti. On va prendre une personne en soutien. Il faut regarder un petit peu. Est-ce qu'on pourrait avoir un bon Jepard ou pas? Bah, le problème, voilà, c'est que des Jepards. 71, c'est pas ouf, hein. On va prendre une plombe. Juste regarder comme ça. Ouais, c'est même pas. Il faudrait de l'imaginaire. Ouais, donc pour bien faire, il faudrait que je fasse ça. On a de l'imaginaire, on a du. On a les trois. Y a pas une Bailu qui peut traîner en vrai, une Bailu ou un vrai truc quoi. Non, pas un... alors, certainement pas un Dinuan de ce niveau. Hein. On va pas déconner non plus. Ah, juste comme ça pour que je le. Oh, wow. Ouais, alors ça fait beaucoup d'attaques. Ouais, mais ils ont des soucis avec leur scellé. Hein. Waouh! Alors, ça, par contre, en vrai, bon, malgré qu'il manque, et c'est un petit peu ce que je peux avoir, sauf l'attaque. Et je pense qu'à mon avis. Ah non, je pensais qu'il allait partir sur un full. Ok. Intéressant. Ah, par contre, c'est vraiment l'ancien stuff, parce que ça, il faudrait que ça se change. Ok. Putain, son personnage est pas mal, hein. Là, il y a de l'effort qui a été fourni. Hein. Ah, là aussi. En fait, c'est juste dommage qu'il n'y a pas beaucoup de chances de coup crit. Après, je suppose qu'ils ont le cône de lumière. Voilà. Pour au moins avoir les 60%. Pas mauvais, clairement. C'est pas mauvais. Ça fait des bonnes stats quand même. Elle est pas mauvaise. Ouais, c'est vraiment l'ancien stuff. Ok. Bah, GG à eux, parce qu'en vrai. Ouais, sinon, je peux prendre Blade. Prendre un Blade et puis on va faire ça. Ouais, là, je regardais parce que c'est un peu. C'est un peu compliqué. Pas envie de prendre n'importe quoi. Donc là, ça y est, les amis. Hein, c'est en cours. Nous avons. Du coup. L'arrivée du zéro pool. Ça y est, le petit challenge va commencer aujourd'hui vers 16h. Les vidéos seront toutes vers 16h. Donc il y en a pour à peu près 15 jours. Donc à partir d'aujourd'hui, dites-vous que le lendemain, pendant 2 semaines, vous avez encore le fait d'avoir le compte zéro pool. Donc ça peut être cool, on verra bien. Et puis on va peut-être passer le 66, peut-être, mais je suis pas même pas sûr. Je crois qu'il va me manquer encore un peu. Parce que ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 550. Ouais, je suis pas sûr que ça passe. Mais quoi qu'il en soit, en fait, dans cette journée, on va passer. On va le passer, le petit. Je vais juste regarder un truc, parce que j'ai envie de voir son blade. J'ai pas fait gaffe à son blade. Bon, là, on a augmenté les dégâts crit, mais en vrai, je pense qu'il est pas loin de 150, enfin, il est un bon 50, 150, enfin, 140% plutôt, pas 150. En vrai, pas si mauvais, hein. Par contre, après, je sais pas si c'est normal pour les dégâts.
des dégâts de base un peu moins élevés et un peu moins de défense. Je suis un peu surpris du perso. La vitesse, je peux comprendre, mais ouais, le reste, je comprends pas. Bon, après, destruction... C'est vrai qu'on peut taper aussi sur du bois de cible, donc... Par contre, j'avoue qu'en personnage vent, ça pourrait être intéressant. Surtout qu'on a une unité, ça peut être intéressant. On a Dan, hein, en chasse, bien sûr, mais... Oh, j'ai un énorme doute, je suis pas sûr qu'il va être aussi intéressant à jouer. Voyez. Là on peut pas faire x6 mais on fera x5. En fait je veux voir parce que comme ici on va prendre tous les bonus, je suis pas sûr qu'on ait le 66. Non, on l... Ah si, on peut l'avoir. Oh. Ou alors ça va être limite. Bon, je pense qu'on sera plus à la limite que le passé. Mais si on le passe, c'est cool. Mais je crois que... Ouais. Bon, on va voir. J'ai regardé vite fait, donc... Ouais, peut-être moyen, en vrai. Le passé, ça pourrait être cool, parce que ça nous permettrait de voir un petit peu à combien on va monter, hein, bien sûr. On est quand même à... 65 000 XP. Bon. Passé 66, ça pourrait être cool. Oh, j'ai pas pris de perso, de toute façon. Ça va le faire. Non, là c'est pour ça, on va pas sortir avec le zéro pool. Je vais sûrement. Alors je sais pas si je fais un. Je pense pas que je vais faire en stream. Mais je vais essayer de faire aussi quand même vidéo de. Pour le moment, ça va durer 2 semaines au niveau de l'histoire. Après, il y aura de la... sûrement un peu de secondaire. Et dans les secondaires, bah au moins. Ça nous permet de. Ça nous permettrait de voir justement à quel niveau on va atteindre. Mais avant, je ferai sûrement les events histoire de. Ou alors je peux faire Magoré histoire de. De faire les magories d'un coup, ça dure pas longtemps. Ouais, on pourrait éventuellement faire ça, mais l'autre c'est un peu plus long, c'est un peu plus pénible au niveau des comptes, donc il faudrait que je trace cet event. Vraiment que je le fais rapido et qu'on n'en parle plus. Mais sinon le reste après voilà, on peut prendre un peu plus de temps. Bah si, c'est bon, on a le 66. Alors c'est 68 000, ok, presque 69 000, on est à... Un bon c'est 3740 je dirais de plus, pourquoi pas. On a eu des petites choses aussi, on a eu ça, donc augmente et aussi augmente les chances de coup crit. Pour le moment le jeu nous pose pas forcément de gros problèmes, hein, on va pas se le cacher. Voilà, 41. La semaine prochaine, le passé mort.
C'est même sûr, puisque là en plus on a les 800, enfin on a les 8000. Donc la semaine prochaine, le pass est mort. Y a plus rien là sur le pass, c'est fini. Tout a été démoli. Parfait. Événements spéciaux. Bon, je regarderai parce que je pense qu'à mon avis ça va être encore un petit truc. On va cliquer quand même dessus, je vais regarder. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ok, il y a un net événement, les amis. Ok, bon bah hop. Je vais préparer ça. Je vais préparer ça. Donc, je ferai une petite ellipse. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme event, bien sûr. Voilà. Vous avez entendu le petit bruit, hein, donc parfait. Bon, voilà, les amis. Pour en tout cas. La partie donc Aestarail là pour aujourd'hui c'est terminé. On va se retrouver donc sur le petit event qu'ils nous ont fourni, écrit action. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, je vous dis à très bientôt de prochaine aventure. J'espère que le Zero Pool vous plaira. En tout cas, la première vidéo, ce sera en version Android. Donc c'est soit téléphone ou tablette. Moi j'ai utilisé ma tablette. En gros, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur tablette. Donc c'est pareil, c'est quand même un gameplay qui durera à peu près environ une heure. Je crois que c'est un petit peu plus pour la première. Il y en a que ça peut être un peu plus d'une heure, plutôt vers une heure et demie, hein, enfin une heure et 30 minutes au moins. Ça va dépendre en fait de la situation là où j'étais dans le jeu. Est-ce que des fois on est quand même sur un bon feeling ou on peut avancer dans l'aventure? Donc on profite. Donc voilà, là les amis, je vais m'arrêter ici. Enfin, du moins, je vais mettre une petite pause. Je vais aller sur le Trevent, on va le faire. Et puis, c'est parti. Donc, voilà, les amis. On se retrouve sur ce fameux événement. Jouer un petit jeu. Je suis en train de regarder les scripts. Ok. Voiture, par exemple. Ça n'intéresse que toi. Ah, c'est bien Blade. La manipulatrice ne marchera pas. Ok, serveur. N'est pas encore terminé. De l'appui. C'est pour l'ambiance, ouais. Alors attends, attendez, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a téléchargé au cas où. Allez, on s'en moque. Vas-y. Et j'ai tout cassé. Bon, du coup, j'ai dû relancer. C'est le shooting. Question suivante, laisse-moi jeter un coup d'œil. On n'est pas encore terminé. Ah d'accord, on peut voir les deux du coup.
réflexion. Voilà. On va partager. Enfin, du moins, je vais juste les télécharger. Je verrai ce que ça donne. Ok. Et c'est tout. Ah, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se rendre sur le truc, s'abonner, etc. Bon, bah, le truc standard, quoi, hein, on a envie de dire. Voilà. Hop. Hop. Donc du coup, je suis obligé de faire ça. Hop. C'est juste pour au moins dire de récupérer ça. Hop. Donc là, on peut refaire du shooting. Une suivante. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Donc, et terminé. Je suis inspiré d'abord. On va mettre de l'appui. Et ensuite, j'ai oublié mon parapluie. Je vais plaisanter. Ok, nouvelle Babylone. Partager l'œuvre et je vais regarder ce que ça donne si ouais, peut-être que vous pouvez scanner éventuellement le attendez je l'ai récupéré hein non j'avais pas récupéré bien fait de faire ça donc là on refait un shooting question suivante laisse-moi jeter un coup d'œil terminé. Je suis inspiré, ok. Donc on peut remettre de l'appui et faire l'autre. Une poussite acharnée. Pas facile de courir avec Bailey. Bah ça c'est sûr. C'est marrant qu'elle l'appelle Blady. Ok. Bon, on pourrait le partager, ok. Donc là, normalement, il en resterait un. Scène suivante. Et terminé. Une mer d'étoiles. Dans ton job. D'accord. Attends, il aura des lunettes de soleil. Incroyable. Super hacker. Ok, tout ça a été terminé. Maintenant, on peut cliquer.
D'accord. Non, là ça marche pas. Ouais, il n'y a pas plusieurs choses, ok. Je regarde, on sait jamais. D'accord. Là, il n'y a rien. Très bien. Bah voilà, c'était un petit event. Pour le moment, c'est sympathique, mais je pense que à terme, on va devoir avoir plusieurs choses. Oh, mais attendez, c'est que ça nous donne des petites jades. C'est tout cool. Il faut que je regarde si du coup ça fonctionne avec le téléphone. Qu'est-ce que ça nous donne de plus? Mais on va devoir le faire plusieurs jours ou là on a tout terminé? C'est ça aussi la grande question. Moi j'ai espoir pour dire que c'est terminé qu'aujourd'hui et qu'on doit continuer à faire d'autres choses. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit event. Là je sais pas encore si ça sera sur plusieurs jours, donc pour le moment je ne mets rien, on verra. Mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Encastaré. Et salut à tous!